Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Pokémon Méga Donjon Mystère. Nous sommes partis pour le post-game, parce que la dernière fois nous avions vaincu la matière noire et avions gagné et sauvé le monde. J'ai appuyé sur... Ah ok, je me disais sur quoi j'ai appuyé. Parce que Ryan n'a pas complètement disparu. On va chercher un moyen de récupérer Ryan. Allez au boulot! Bizarre. J'ai l'impression que quelqu'un nous regardait. Alors, depuis qu'on a sauvé le monde, est-ce qu'il y a des gens qui veulent nous parler, nous donner des missions? Gros singe, il me l'a déjà donné. Je vais pouvoir déposer tous mes objets. Et on va refaire l'inventaire. Bon, alphabétique, ok. Hop, on va retirer un anneau comme ça. Un anneau comme ça. Et un anneau comme ça. Ensuite, une pomme. Un élixir. Un béoran. Truc habituel quoi. Résumé, il m'en reste plus que 3. J'en avais acheté je ne sais combien. Une écharpe orbe au cas où. La pétrifiorbe qui peut aider en cas de maison de monstre. Avec les branches. Hop. Voilà. Du coup, carte du monde, on a dû débloquer. Non, c'est pas la carte du monde, c'est... Les orbes des liens. Ah ouais, il y a plein de gens qui veulent nous parler. Aiden. Rejoignez à Magara, ensemble, Terre des Brumes. Ce n'est pas la Terre des Brumes, mais on va d'abord terminer de toute façon les autres terres avant d'aller dans d'autres pays. Zeblitz qui a perdu son trésor. Terre du Sable.
Nick qui veut retrouver son trésor également. Et Lionceau, peut-être qu'on a perdu son trésor aussi. Fortress, est perdu. Exagène, il a perdu son trésor, bah dis donc. Ils ont tous perdu leur trésor. Le pic aussi qui a perdu son trésor. Retrouver le trésor, de voilà. Non. Taninos, qui a perdu son trésor. Arcanin. Ah, explorer un donjon. Nouveau donjon, sûrement. Et enfin, Bargantua. Montre. Hypocéan. Ok. Oh, Hypocéan. Le Malmen. Ok. Du coup. Niveau mission. Dans la terre où nous sommes. La terre de l'eau. Je peux pas. Ah, continent. Quand même pas mal de trucs dans la terre de l'eau. On en a quatre, quoi. Aucun dans le même donjon. La terre des brumes. Gala, découvrir l'or de vos aventures. Ok. Si je trouve Gala, si je trouve Roserade quelque part, faut que je lui donne. Allez. Bon. Et bah, allons explorer les donjons. J'ai deux quêtes au jardin ensoleillé. Que j'en avais qu'une. Ah, je devais peut-être pas être en arrière, je devais être à la deuxième page. Donc à l'étage 1 et à l'étage 3. Et qui c'est qui va nous rejoindre? Hop, Dracolos. Pas du tout dans l'exagération, vous en faites pas. Jardin ensoleillé, faut prendre un type 2. Allez, Dracofeu. Hop. Let's go. Pinda. Ils ont quand même plus de 100 PV ici, c'est étonnant. Il y a quelqu'un par là. Let's go. Merci Chronodreamer pour le raid. Bienvenue à vous. Bienvenue.
Mettez-vous à l'aise, tranquillement. Coucou Galios. Coucou Chrono. Comment le live s'est passé? Hop là. Musique de ce jeu. J'ai pensé que j'ai toujours Pokémon Jean Mystère DX à faire. Viens tranquille, pause de midi. Eh ben écoute. Là du coup on en est au post-game dans ce jeu. On vient juste de sauver le monde. Et bon, on fait des quêtes pour avancer. L'objectif étant de recruter, je sais plus, il doit y avoir 720 Pokémon ou un truc comme ça. Figure de chaos, mais... Ça va vite pour certains, ouais. Le dernier sur 3DS, ouais, c'est ça. Le tout dernier sur 3DS qui est sympa en fait. Oh non. Merci. Il est sympa, très difficile. Mais il est sympa. En fait il est difficile parce que bah, t'avances ultra vite par rapport à... au niveau des Pokémon que tu rencontres. Et genre bah voilà. Là je suis dans un donjon de début de jeu. Et je me prends des attaques à 45 alors que j'ai 60 PV. Jamais poussé après Explorateur du Temps, j'aurai les deux premiers opus. Ah oui, mais... oui. On est d'accord là-dessus. Jamais fait cette série Explorateur du Ciel et du Temps. Et aujourd'hui, il a son petit prix en occasion, effectivement. Mais elles valent le coup, ouais. Trésor de trio piqueur. Trio, trio, trio. Il y en a qui ont vu les tout premiers épisodes de Pokémon. Oh, parfait, le cadeau, il est juste à côté. Quoi. Trio, trio, trio. Et le réseau s'est étendu. Et on me dit pas qu'il y a autre chose à faire après, donc je peux quitter le donjon. Et techniquement, je monte en grade. Une bonne exploration. Le maître de la guilde de ce jeu.
pour info, en fait, dans ce jeu, à la fin, c'est pas nous qui partons, c'est notre partenaire, en fait. Parce que c'était notre partenaire, le héros. C'était un peu ça, le plot twist. Et du coup, ben, notre perso est malheureux. Le gars. Non, Xatou. Oh, pff, encore pire. Ok. Dommage. Une règle des esprits. Ah, Pokémon super motivé. Oh, et on a un Zarbi. J'ai pillé expérience par 6 quand il y a le quand il y a un Zarbi motivé. Normalement, on monte en grade là, je crois. Ah non. Encore 840, ah, d'accord. J'avais mal lu. Alors, normalement, on a débloqué d'autres quêtes. 3 autres quêtes. Eoko. Livrer la polygraine à Topicœur. Topicœur, Topicœur. En plus, ce jeu est plein de refs d'anciens jeux, par exemple. Regardez, Topicœur. Il est lié à Armure. Et dans le tout premier jeu, le premier boss combat, c'est Armure parce que il prend en otage Topicœur. Enfin, il prend en otage. Il est pas content qu'on monte chez lui pour aider Topicœur. Coucou Yann, comment vas-tu? Et pareil, on a ici Soporifique. Qui est normalement lié d'une certaine façon à Azuril. Je sais plus où il est. En tout cas, il y est lié d'une certaine façon. Là, regardez, on a Tyranosif, Alakazam. Et Dracaufeu qui sont liés à l'ancien du lac, aussi du tout premier jeu. Topicœur. Ah bah, je viens de terminer le travail. Oh. Là on a ses vipères, je sais pas ce qu'il fout là. Ouais, c'était l'équipe, la seule équipe grade or du premier jeu, Dracaufeu, Tyranosif, Alakazam. Topicœur, c'est mon emo de coucou. Tout est lié. Ouais, le souci de la terre de sable. Il me faut le passeport. Et un passeport à la terre de sable, bah ça coûte assez cher en vrai. Ouais. 3000 Pokédollars. Et j'ai. Oh ça va, j'ai 7000.
Beaucoup de monde dans le tram. Bah bah. J'ai une réunion, je dois vous laisser. Y a pas de soucis, chrono. Bon après-midi à toi. Et on a Jean-Mystère DX, c'est le remake du premier. Du coup, on retrouve ce groupe avec Alcam. Ouais. Carnaval. Carnaval de Nice. C'est ça? Kex, comment vas-tu? Attendez, je me sers un coup à boire. Bah écoute, ça va. Là, j'ai passé toute la matinée à laver chez moi parce que enfin demain, je pose mon sol. Enfin, ça fait tout juste 2 mois que je suis chez moi, mais j'étais dans l'incapacité de le faire. Je suis sur Xenoblade 2 à côté. Oh, c'est pareil, Xenoblade, ça. Un jeu qui me donne envie, ça. Aujourd'hui, avoir de la chance pour des artefacts. Ça. Genre t'as mal au bras et tu le mets enfin par terre. J'ai en fait mon sol, je pouvais pas le faire parce que j'avais pas d'eau chaude pour laver le sol pour coller mieux le sol que je vais poser. Du coup c'était impossible pour moi de laver le sol en fait. Mais maintenant que j'ai pu laver le sol et que j'ai pu tout ranger, je peux enfin poser mon sol. C'est le souci de l'eau chaude, j'avais pas d'eau chaude pendant 2 mois en fait, pratiquement. Mais enfin, je peux le faire. Et ça c'est beau. Oh, des îles mystérieuses. Allez, allons découvrir l'île du sable. Ouais, nous voilà en Australie. Je l'avais pas vu cette quête. D'accord, il est un peu bête, il utilise que trempette, mais voilà. Oh, la discussion tranquille avec des persos. Ça nous offre des liens, du coup gratuits. Et du coup, plus de quêtes, ça. Et sachez que dans ce jeu, plus on a de quêtes, plus on peut aller chercher de Pokémon légendaires, parce que c'est en ayant des quêtes qu'on débloque les liens avec les Pokémon légendaires, en fait. On dit pot de départ d'une collègue. Attends. Il va se bourrer la gueule à son boulot. Et j'ai 3 nouveaux copains. Naître à son tonton. Bah ouais. Le soir, elle vient. Ok. Je prends 2. Je
explograines. Dans ce jeu, les explograines sont ultra pétées. Vous savez, d'habitude, les explograines, ça enlève 30 PV, tout ça, c'est pas fou dans les jeux. Là, dans ce jeu, elle enlève 100 PV. Rock des esprits. 3 Pokémon Max, seul Franck peut entrer dans ce donjon. Alors, je veux bien aller voir, mais je sens que je vais pas être à haut niveau. Oh, la musique! Ça va me rappeler des souvenirs à certains. Saouler la gueule et faire du bien. Saloperie. J'avais dit que j'étais pas vraiment au niveau pour. On va essayer de le faire avec les tout ce qu'on a, mais. Ah voilà. Déjà une résigraine d'utiliser, je ne suis qu'au rez-de-chaussée. Je crois que je vais faire plein de quêtes. Et me tirer. Il y a 9 étages. Atomic Heart. Je ne connais pas. Ça peut aider. Ça. Que je l'aurais pas mis sur le mauvais joyau par exemple. Les nouveaux Bioshock. C'est vraiment pas un donjon à mon niveau. Bon, au lieu de perdre tous mes objets, hop. Il y a un nouveau Bioshock qui est sorti et personne ne m'a prévenu. Inspiré de Bioshock et de Fallout. Ferme vers des attaques comme ça. Bon bah, j'ai pas le niveau, donc on va juste faire des quêtes, histoire de monter de niveau, et c'est tout. Victini, Banignon, Soporifique, et bah c'est eux qui partiront en quête aujourd'hui. Ok. Je promets, je suis aussi hype par le nouveau Layton que par la possibilité d'avoir un nouveau Bioshock, donc faites attention. Elle va voir un nouveau Bioshock et va s'accrocher au mollet de...
du créateur. Hop, plateau feuillu. Les caractéristiques, étage, difficulté normale, ok. Tac. Donc on va contrôler Victini. Je pense. Hop là. Je m'accroche et je lâche plus. Quels sont les niveaux des Pokémon ici? Ok, ça a pas l'air d'être. Chose de haut niveau. Le nombre d'XP qui rapporte. Vraiment pour moi le combat rapproché, mais il me tue Alex. Hop, il faut rechercher le trésor, très bien. Tiens, pas la bonne attaque. L'habitude de faire l'attaque sur A. Et la calcination ne va pas jusque là-bas. Ça fera du business pour Utao. Là, on en parlait un peu avec Natal tout à l'heure sur le Discord. Mais Dehia, ne tirez surtout pas le personnage. C'est une honte. Merde, j'ai fait une montre. Les objets à ramasser, c'est toujours utile, mais... Il ne reste aucune quête à accomplir. On le quitte. Let's go. Pas vraiment prévu de faire, mais il se passe quoi? Bah en fait le personnage est éclaté au sol. Et malgré le fait que il l'ait présenté, et dans la présentation, hein, ils ont présenté des trucs, mais c'était, on va pas dire buggé, mais on voyait tous les défauts. Pendant qu'ils présentaient le personnage en disant regardez, elle fait ça, elle fait ça, elle fait ça. Et d'un autre côté, il y avait les défauts qui apparaissaient, mais très flagrants. Genre, tu donnes un coup de poing. T'as l'ennemi, il fait un énorme recul, et du coup, ton dernier coup de poing de ton enchaînement, il touche pas l'ennemi. Et c'est ça à chaque fois, en fait. Donc ça veut dire qu'il y a un souci d'équilibrage du personnage. Parce que si t'es obligé de dash à chaque fois pour donner le dernier coup, c'est que c'est pas normal. Sachant que quand tu dash, ça cancel ton combo et que du coup, tu peux pas continuer l'enchaînement, en fait. Qui? Dehia. Le prochain personnage qui va sortir. 5 étoiles de type feu. Du coup YouTube, on va terminer l'épisode ici. Je vous fais les bisous.
Et je vous dis à dans 4 jours pour la suite de tout ça. Des bisous bisous.